je mets la main à la plume pour vous dire, mes chers parents, ben qu'une fois soit pas coutume que je suis bougrement content. Les vieux disaient que la caserne, ça n'avait rien de polichon, mais c'était des balivernes, maintenant je vois bien que c'est le filon. On est mieux que des rats dans le fromage, vivement la classe pour que je rengage. Que la vie est belle dans l'armée nouvelle, on est dorloté tant et plus choyé, tout comme des petits jasus. Que la vie est belle dans l'armée nouvelle, il y a des gens qui croyaient à la guerre, que l'armée ne sert qu'à faire la guerre, quand on ne fait faut en faire son deuil, et ben ils se couraient le doigt dans l'œil, car on a une utilité que personne n'osera contester. Vous avez vu dans les journaux que les vignerons de l'Ortonneau ont tant de vin qu'en vérité, personne ne sait plus où le fourrer. Comme on vendait très mal ce vin, on a fait, et c'est pas en vain, appel à notre patriotisme pour éviter un cataclysme, pour éclaircir la situation. Le ministre qui est point un demi-couillon veut désormais que chaque griffeton touche chaque jour son kilo de picton pour sauver la vigne qui végète et trois chopines les jours de fête. Et un petit digestif avec, qu'est-ce qu'on s'avère à part le bec? Tous les pupules et tout le roux, le pays a les yeux sur vous. On sera tous sous comme des bourriques, mais on sauvera la République. Que la vie est belle, que la vie est belle, que la vie est belle. Et puis là-bas, une autre affaire, le poulet augmente si fort que le civil ne mange plus guère, il préfère les arts en sort, les marchands l'ont à la cogne, mais on va sauver cette fois le négoce de la volaille, on bouffera 6 fois par mois. Un poulet choqué par séance, si on en crève, c'est pour la France. Que la vie est belle dans l'armée nouvelle, vous allez penser que l'équipe, qu'est-ce qui s'envoie dans le porte-pipe? Que la vie est belle dans l'armée nouvelle. Et si je vous disais que c'est pas tout, il y a les tailleurs qui se plaignent partout, ils disent que si ça continue, ils seront forcés d'aller tout nus. Ministre de peur que ça s'aggrave, c'est pas la moitié d'une betterave. A décidé que l'armée entière, si prêt à la belle jardinière, chérie Billet, Shift et l'or, construit un jus alors avec nos souhaits de petits complets en drap extra venant de Roubaix. Puis comme les fabricants de godasses traversent en ce moment une sale passe, on va nous donner des croque-nous en vache vernis, en chevreau. Et puis quand c'est qu'on marchera comme les gens chics, ça fera cracra. Et comme les acheteurs de Soilly, vu la vichelle, sera répit. On mettra un bon patriote des dessous en soi comme les cocottes. On nous prend d'un bout des tatas, mais c'est pour la France qu'on fait ça. Sous les pupules et tout le roux, le pays a les yeux sur vous. On aura un tas de falbala et puis des trucs en tapetat de soie avec dentelle et entre deux du rococo et frotte mon Dieu. Que la vie est belle, que la vie est belle, que la vie est belle. Vous pensez si on sera en gorge d'avoir un si beau décor, on touchera des soutiens gorge et des pyjamas à la méor. Et je vous le dis en confidence, paraît que ça ira plus loin, vu qu'on dit qu'il y a en France plus de femmes qui en a besoin. Alors pour absorber tout ça, sans corps nous qu'on se dévouera. Que la vie est belle dans l'armée nouvelle, on en mettra un coup de bon cœur s'il faut, on en mettra plusieurs. Que la vie est belle dans l'armée nouvelle, vous pouvez dire, je vous en réponds, qu'en ce moment il y a rudement du bon. Seulement l'ennui, et c'est dommage, c'est qu'on a peur du surmenage. On a beau être enthousiasmé, il y a tellement de choses à consommer, que malgré notre soif de martyr, à nous seuls on peut plus suffire, à force de s'en mettre plein. On se colle de belles indigestions. J'aime beaucoup les souliers vernis, mais ça me fiche des oeils de perdrix. Quant aux femmes, je l'avoue, entre nous, on sera vivement tous sur les genoux. Il nous faut des renforts urgents. C'est pourquoi on dit en ce moment que le ministre qui a pas la vue courte et qui est pas la moitié d'une tour parle de demander au Parlement d'adopter le service de 5 ans. Vu que pour tout user, il lui faut 1 million d'hommes sous les drapeaux. C'est pas assez efficace. Il est question de rappeler des classes. Ça présente un inconvénient. En effet, il est évident que quand on aura mobilisé les fabricants, les ouvriers, ils ne produiront plus que pot de zébi. Alors ce sera un autre fourbi. Quand ils auront tout bouloté, il faudra les renvoyer gratter. Quand ils auront produit assez, il faudra les remobiliser. Puis relâcher peu de temps après, ça n'en finira jamais. Ce qu'il y a de certain en attendant, c'est qu'on rigole au régiment et que le ministre, je le dis bien haut, c'est pas la moitié d'un fourneau. Tous les pupules et tout le roux, le pays a les yeux sur vous. Mes chers parents, je m'arrête là, vous pouvez être fiers de votre gars. Il fera son devoir tout comme les autres, et j'espère bien que vous ferez le vôtre. En envoyant à votre soldat une bonne lettre et un bon mandat pour que j'achète de l'eau de vitelle, car j'ai la vessie en dentelle. Mais la vie est belle, mais la vie est belle, mais la vie est belle.